Allez, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le serveur Olicube. Oh, le mec, il est chaud. Attends. Ah là, je suis pas sorti du portail. Je suis chaud, c'est parce qu'on est vendredi et que c'est le dernier jour de la Hollyweek. J'ai pas assez de place dans le coffre pour mettre tout mon bordel. Je suis chaud, je retire la veste. Je retire la veste et on y va. Allez. Bonjour à tous les amis, coucou Bill. Coucou, on est où là déjà? Là on est chez moi. C'est quoi cet endroit? C'est quoi? Olicube. Olicube, voilà, tu reconnais pas hein, c'est vrai que ça fait tellement longtemps que t'es pas venu. Ah mais oui, ça servait à cuisiner la chaque fois que je viens, c'est ça? C'est ça. Voilà. Et coucou Dave. Hello. Allez, bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode. Je suis chaud pour Cluedo, j'adore ce jeu. Donc voilà, Dave a déjà tout compris, on va faire un petit Cluedo sur Minecraft. Et donc je vous invite à regarder dans votre coffre, Bill il est déjà équipé. Ah moi, moi aussi je suis chaud. Ah, j'ai tellement beau costume que je voulais et pas. Et on a des règles et tout, oh là là. Voilà, il y a une petite histoire. Je sais qui est le koala masqué maintenant, regardez. Alors, Dimitri Medvedev est mort dans la cathédrale Sainte-Mila. Ça va, les chevilles? Ça va. Et Vladimir Pavlovitch recevait un Alexandre Nikouline, ok, nanana, destituait son fils héritier, Grigori, et le majordome veillait à l'organisation des tâches. En fait, vous savez quoi? Moi, là, pour l'instant, je le lis, j'en record en mode nanana, mais en fait, il va falloir faire attention, je pense, pour comprendre qui est qui. Oui, je pense, oui. Alors, l'histoire, c'est surtout pour scénariser la chose. Après, lisez au niveau vraiment des règles. Là, ça, c'est incontournable pour faire le jeu. Olicube est aujourd'hui le théâtre d'une affaire sordide. Un meurtre a eu lieu sur la personne de Dimitri Medvedev. Ah, il y a tous les noms comme ça? Non. Eh, c'est que des noms russes. Eh, on est en Russie, voilà. Elle est où la vodka Nazdrovie? C'est pas bon pour ce que vous allez avoir à faire, faut faire marcher les neurones. Ah mais il y a des listes, les lieux, ah super. Voilà, il y a l'annexe en fait c'est toutes les listes, lieux, armes et suspects. Et ensuite là les règles ça dit en gros que vous allez devoir travailler par élimination, donc toutes les choses que vous allez trouver dans la cathédrale, par exemple là des armes ou des lieux qui disent genre il s'est passé quelque chose ce soir là dans la cuisine, bon bah ça va pas être cet endroit là, etc etc. Et les trois qui restent, et ben ce sera sûrement la bonne réponse si vous arrivez à les trouver. Alors, blocs musicaux à fond. Voilà, ça c'est important. Ok, donc le Cluedo Minecraft, tiens, moi je m'y remets. Non. Moi c'est les annexes qui m'intéressent finalement. Parce que l'histoire... Ah, moi j'aime bien l'histoire, c'est super. Il faut une histoire quand même. Ah, tout le monde est feignant sur les mais histoires. Mais c'est le colonel Moutard, non, moi justement, pour moi, sur toutes nos maps et tout, ce qui fait la différence, c'est qu'on met toujours des histoires. Ouais, le RP, bah ouais, c'est important. C'est RP, c'est RP. Carrément. Alors Dave, justement, en parlant de nom de personnage, on a établi que moi c'était Sherlock Bill. Mais toi, tout à fait. T'as décidé de ton pseudo final. Élémentaire. Non, je t'en prie. Parce qu'on avait parlé de c'était quoi, c'était Davson, mais je t'ai pas convaincu. Dave Watson. Dave Watson. Ouais, ouais. Pourquoi pas. Sherlock Bill et Dave Watson. Voilà. Ok. Ok. Bon, allez, on fait comme Arbalète. Ça. Bon, l'équipe de choc. Couteau. Base. Alors, du coup, je sais pas si tu l'as montré, mais on a lu donc le Cluedo Minecraftien qui raconte toute l'histoire, etc. Mila, est-ce qu'on pourra le poster quelque part, peut-être dans un bloc-notes qu'on met dans la description, quelque chose pour que vous puissiez le lire? Ouais. Règles du jeu, voilà. Et non, il y a 13 armes. Briques. Oh oui, il y en a encore. Et voilà, vous avez tous les lieux, donc il y a bibliothèque, cuisine, salle à manger, première chambre, seconde chambre, jardin, égout. Il y a 13 armes en tout. Et on a 9 suspects, et donc il va falloir déterminer qui, où ça, et avec quoi. Donc un Cluedo classique, quoi. Un Cluedo classique, et c'est le même fonctionnement, c'est de la déduction, donc en fonction de ce que vous trouvez, et ben c'est que c'est pas ça, voilà. Et ensuite, vous avez pas le droit de prendre tout ce qui est dans les item frames, ça vous avez lu un petit peu au niveau des règles. Ouais, absolument, seulement levier bouton, et voilà. Salle d'accusation, tout ça.
Voilà, c'est ça. Du coup, on va aller voir la salle d'accusation ensemble. Je vous la fais voir une fois et après, on met le top chrono et c'est parti. Ok. Allez, mon cher Dave Watson. Non, en fait, vous avez le droit de venir poser une accusation à chaque fois que la porte elle est ouverte. Sachant qu'elle s'ouvre et elle se ferme par intermittence, elle reste 3 minutes fermée pour 45 secondes ouverte. Autant dire qu'au début de l'aventure, ça sert à rien de venir poser des accusations parce que t'imagines la probabilité de trouver la bonne réponse. Enfin voilà, c'est juste impossible. Donc, mais bon, vers la fin, ça peut. D'accord. C'est pour ça que le bloc musical, c'est ce qui va vous dire si c'est ouvert ou fermé. Je vois. Et ok, bah moi je pense que je suis chaud, je suis prêt. Et moi je suis froid mais prêt. Cool. Bah, c'est déjà pas mal. Et ben allez, 3, 2, 1, c'est parti. Yeah. Donc. Alors, cuisine. On commence dans la cuisine. Ah, il y a des boutons partout, je me demande si ça vaut le coup de. Des boutons? Bah je sais pas si c'est que de la déco. Il y en a partout, ou pas. Ça va être l'enfer. Ouais, mais. Ah, le charnophone. On s'intéresse à tous les boutons alors. Bah, franchement, bon, Mila, juste qu'on perde pas. Ah, j'ai vu un truc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est toi qui as appuyé ou c'est moi? J'en sais rien. Ah, c'est toi. Je suis là. Attends. Ah, mais attends. Je suis le seul à pouvoir le voir par contre. C'est ça? C'est une épée, donc c'est pas l'épée. Voilà. Sauf qu'elle est renommée en couteau, mais bon, c'est. Donc bien c'est pas ça. Le couteau. Ok, bon, okay. Couteau. Bon. C'est noté. Et en fait, c'est toi qui as appuyé sur le côté, mais si t'étais sur le côté, tu voyais pas, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Vicieux, ça. D'où la cause. Il y a, voilà, faut penser quoi, vraiment, pas toujours, hein, y a des trucs que vous pourriez faire tout seul, mais en règle générale, c'est beaucoup de ça, et après, vous avez aussi des mini-challenges. C'est pour ça que vous aviez besoin d'un assistant, mon cher Sherlock Bill. Mais absolument, heureusement que vous étiez là. Tiens, je clique. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oh non, t'es servi, il va falloir les bouger quelque part. Ça, c'est un challenge. C'est voilà. Ok. Et ça bouge pas. Ouais. Non, à mon avis, c'est tous les boutons qui sont autour, en fait. Genre, tu vois, si j'appuie sur ça. Le bip bip, c'est l'accusation. Non, on n'est pas encore. Bon, par contre, la question, c'est où est-ce qu'on est censé amener tout ça? Ah, tiens, attends, je sais peut-être. Genre, hop. Non, pas du tout. Je sais pas du tout. Alors déjà, est-ce que vous savez, est-ce que vous avez une idée de ce qu'il faut faire? Ah, pas du tout. Bah, il y a un modèle là, non? Voilà. Ah, mais t'es pas c'est con. Ça voilà, perspicace, Dave. Donc ça, c'est le modèle. Et il y a un tableau ici. On peut peut-être accéder à la machine derrière. Oui, non, mais bien sûr. Non. Comment t'as rêvé? J'ai toujours été très nul pour ce genre de choses. Et il est bugué, ce piston là. Ah bah oui, parce qu'il est contre le bloc de redstone, forcément. On peut le débugger en faisant ça, tac-tac. Il se updatera pas, mais... Ouais, mais comment est-ce qu'on fait pour tourner? Il en faudrait un dans les coins, en fait. Ouais. En faisant ça et ça, il y en aura un là-haut. Ouais. Non? Oui, t'es bien parti, là, Dave. Ouais, mais là, du coup, tu l'as remis là où il était. Ah non, attends, tiens... Voilà, il y en a un qui est bon lui, là. C'est bon, il est. Alors, ok, lui il est bon. Maintenant, si on fait. Non, ça c'est pas bon. Non. Ouais, je vais te laisser gentiment bosser là-dessus. D'accord. J'y comprends rien à cette logique là. Donc, tu pendant que je fais ça, tu vas regarder une autre pièce et puis. Ouais, je vais taper des boutons moi. Super. Ah, c'est pas mal hein, le fait de se diviser par. Enfin, si on peut, parce que parfois il y a des choses à deux. Ouais, mais là il y a des trucs. Ça, c'est vrai que là, le frigo, vous pouvez faire ça tout seul. Ah ah, le frigo? Là, j'ai mis un bloc en dessous, comme ça, si je pousse, je peux pousser ici. Ouais! T'as vu? Ouais. Mais c'est le genre de jeu que j'adore faire avec les puces. Hein. Ah bah, c'est à ouvert quoi par contre? Ici, il n'y a rien. Ah, il y a un tableau. Qu'est-ce que tu fais? Il s'est dit qu'il faut servir à manger aux invités. Ouais, bravo. J'ai eu un moment de bug, je me suis dit, mais il a pété un boulard, qu'est-ce qu'il mais fait? Je sais pas où c'est, ça a rien ouvert. Ça a rien ouvert. Cherchez les portes en fer qui étaient fermées. Vous les avez portes... Les portes. Ah, on n'a pas regardé.
Si les portes. Vous voir quelque chose que vous avez pas vu. Là, t'as une porte regarde, en fer. Là, il y a une porte. Alors. Ah bah, pas mal. On est chacun allé dans celle de l'autre. La porte de Bill. Non. Et Bill, il a été dans celle de Dame. Je te dis, on fait une équipe d'enfer. Pas mal. Ah, alors, la cuisinière se trouvait avec son amant. What? Et c'est qui son amant? Bah, ça, on va le découvrir après, je suppose. Donc, la cuisinière se trouvait avec son amant quand ça? Au moment du meurtre? Au moment du meurtre, ouais. À chaque fois, c'est au moment du meurtre. Et on peut avoir des détails? Il faisait quoi? Donc, c'est pas la cuisinière. Ça, ah, j'ai la hache aussi. Ouais, la hache. Donc, c'est pas la cuisinière. Ok, très bien. La cuisinière, c'est qui la cuisinière? C'est la femme de ménage? Hein, quoi? Non, la cuisinière et la femme de ménage, c'est pas la même chose. Ah, Elisabetta a eu des problèmes gastriques cette nuit. D'accord. Donc la hache, c'est pas ça, hein, tu as dit. Hein. Non, c'est pas ça. C'est pas la hache, c'est pas le couteau. La cuisinière, par contre, je sais plus qui c'est. Le vieux manuscrit sacré raconte que l'endroit où se trouve la salle à manger était un lieu particulièrement mystique de la cathédrale, où aucun acte de perversion humaine ne peut s'y dérouler. Donc ça veut dire que c'est pas la salle à manger, c'est ça? C'est ça. C'est un endroit où il peut pas y avoir de meurtre. Voilà. Bon. D'accord, donc il nous faut... En gros, il faut qu'on arrive à récolter des émeraudes avec de la rotten flèche, de l'or, etc. Donc si jamais tu vois des coffres, il faut fouiller dedans. C'est quoi? C'est mon cochon? C'est Totor? Qu'est-ce qu'il fait là? Mila? Qu'est-ce qui se passe? Ouvre la trappe. Je vous observe. Ok. What? Non, Bill, non, ne regarde pas, il y a un truc avec les cochons, je sais pas. Je ne veux pas savoir. Non. Alors, les archives. Qu'est-ce qu'on a dans les archives? On est dans la bibliothèque là? Ah, ouais. Intéressant. Ah, il y a une torche. Une torche? Ouais, tout là-haut. Alors, on peut pas une encore se pousser les uns les autres. Ah, et là il y a une porte, j'en ai été chandelier. Sûr. C'est le chandelier là-haut. C'est le chandelier, et alors là il y a. Anastasia est restée à lire. T'as réussi veiller à passer. Elisabetta qui était malade. Ok, donc Anastasia. Anastasia et Elisabetta. Ouais, d'accord, le chandelier c'est pas ça. Elisabetta c'est celle qui avait les problèmes gastriques. D'accord. Anastasia, lire. Et Anastasia c'est le médecin. Sans doute. D'accord. C'est possible, après, si vous n'avez pas trouvé d'indice qui pourrait vous mettre sur cette voie-là, cherchez pas forcément trop tordu. La non plus, réserve. Quoi. Faut acheter un truc. T'es passé. Ah ouais, j'avais vu la réserve. Quoi, t'as trouvé comment on le voit? Non, mais. Non. On peut acheter des trucs dedans. Qu'il y avait un hopper dessous. Ah ah. Oh, bien joué. Il faut peut-être jeter le bon item. Et du coup, ça casse pas tout qu'on ait jeté d'autres items dedans? Non, il y a un buffer. Il y a... Ouais, voilà. Ah. Ouais, tout pareil, j'ai tout compris. Très bon, Redstone. Si c'est pas le bon item, il descend dans un coffre. Il descend peut-être ailleurs, que ça voilà. Nous dira comment, donc on passe monte. À l'étage? Ouais. Ouais. Ah, on est sur la bonne longueur d'onde. Absolument. Élémentaire, mon cher Bill. Alors, voilà, ce n'est pas la boule de neige. Sans non. On le sait. Non, les armes, elles sont renommées, hein, forcément. Elles sont forcément renommées dans les cadres. Allez, on se sépare encore. Hein. Ça marche. Pour l'instant, ça marche bien. On s'est beaucoup séparés, ouais. Une bonne raison à tout le monde d'aller voir les deux points de vue. Carrément. Alors là, ça c'est une sortie, donc ça mène à rien. Hop, voilà, là je récolte tout ça. Ça va faire du bien. Bon, par contre, il va pas falloir faire n'importe quoi avec non plus, parce qu'on en a une quantité limitée. Limite, je me demande... D'émeraude. Ouais. Limite, on les replante, et on reviendra tout et à l'heure. Et on attend. Chiche. Tu vois pourquoi la technique me paraît pas top. Alors, bon, là, moi, j'ai récolté plein... Ah non, attends, il me faudrait un four, si je veux avoir du pain. Il en faut beaucoup. Alors, voyons voir... Ah, donc lui... Ah bah tiens, attends, lui je peux récolter... Ok, j'ai deux deux émeraudes et il veut plus faire d'échange. Ah, malin. Alors, des patates... J'en ai une. T'as des patates ou pas? Non. J'ai du blé, quelques citrouilles. Attends, je vais aller vérifier qu'il n'y a pas plus de patates parce que j'ai pas... Ah si, il y en a sur la gauche. Si, il y en a plein là, il y en a plein. Que j'ai pas assez pour faire le deuxième échange. Et
carotte aussi. C'est sympa, moi je croyais faire un cluedo et je me retrouve à faire le jardinier. Ouais, grave, on était en train de parler que la survie, hein, voilà, et on se retrouve à faire une ferme, quoi. Ah bah, il faut s'occuper de troquer, hein, pour pouvoir... Alors les enfants à la maison, surtout, si vous êtes sur un serveur, ne faites pas ce qu'on est en train de faire. C'est un tout ravager sans replanter. C'est comme laisser des arbres à moitié... Ouais, grave. Mais c'est un... Ouais, mais là, il y a Mila, là. Ouais, tu fais appel à... Tu fais appel à notre côté obscur, hein. Voilà, on casse tout. J'ai pas vu le truc pour la pastèque, je sais pas pour toi. Mais bon, j'apprends quand même. J'ai pris au hasard, mais c'est vrai que c'est pas... Ah, tu replantes vraiment tout, toi, d'accord. Ah bah attends, t'es... Non, mais c'est... On n'est pas des sauvages, ça, hein. Ça peut être utile, hein. Bah, moi, je suis un peu sauvage, quand même. C'est Edo qui a replanté aussi. T'es le seul. Ah, hein. Voilà. Tu vois. Voilà, maintenant vous êtes deux. Hop. Moi, je récolte à peu près tout. Tu vas t'amuser à tout remettre. T'as un nombre ou pas que tu mets à chaque fois? Non. Il y en a trois fois trop, en fait. Ah bon, d'accord, bon, bah, je m'arrête. Vous avez besoin. Voilà, dernière. Il y en a trois fois trop. On a gagné des émeraudes. Peut-être pas trois fois, mais... Ouais, je pense qu'il va vous en rester, hein. Ah oui, d'accord, donc tiens, toi... Mon cher Sherlock, je Cool, merci. En même temps. Comme ça. Ah, par contre, pour les carottes... Et Mila aussi, hein, ça, je vois pas pourquoi tu serais... Tiens, cadeau. Hop, une patate, ah ça bah c'est super, fait. Une patate pourrie. Bon, j'ai masse émeraude, moi, maintenant. T'en as combien, là? Là, j'en ai 31. Je crois que ça va être bon. Sans déconner. Tu vas en avoir pour chez toi. Vas-y, continue, on farm. J'ai plus assez de... Attends, carotte, je peux à nouveau? Oui, non, carotte, je peux plus. Bon, il nous faudra d'autres trucs, mais on retournera faire un petit peu de... On va déjà jouer avec ce qu'on a. Je vais acheter des laines, du coup. Allez, c'est parti. Lesquelles en particulier? On avait un indice. Celle des deux chambres, non? Oui, oui. Donc ça, c'est une rouge et une orange. Hop. Alors... Les chambres, qu'est-ce qu'il nous reste comme pièces? Parce que ce qui est intéressant en fait, c'est de faire les pièces. La bibliothèque, on n'a rien vu dedans, mais on n'est pas sûr que ça c'est. Bibliothèque, c'est là. Si, on a vu quelques trucs dedans. Oui, mais on ne sait pas si c'est. Bibliothèque, il nous reste bibliothèque, cuisine, les deux chambres, jardin et égout. Il y a des égouts? Ouais, mais la porte est fermée. Ok, j'ai ouvert la chambre 1, Dave, si t'as envie. Ok. Ah, t'es là, ok. Tu l'as ouvert avec le type de laine, c'est ça? Ouais, j'ai mis la laine rouge et j'ai acheté une laine orange. Alors, j'ai le journal de Vladimir également. C'est en cette belle nuit étoilée que j'attends une fois de plus que Miloslava vienne me rejoindre dans cette chambre, restée libre cette nuit. Je pense qu'on a le... Ah, c'est lui le... L'amant, hein. Puisque nous avons qu'un autre ce soir. Je sais qu'il ne faudrait pas, mais par moment interdit... Non, quoi, hein? Mais ah oui, mais ces moments interdits par les convenances me font me sentir libre. C'est une deuxième jeunesse. Merci de reposer le journal. Oui, madame. Alors, donc, c'était quoi déjà ce nom? J'ai oublié. L'amant. Miloslava. Miloslava, c'est l'amante. Et Vladimir. C'est bien la cuisinière, Miloslava. C'est Vladimir, c'est le proprio. Ouais. Et Vladimir, c'est le proprio. Du coup, il fricote avec la cuisinière. Miloslava, bravo. Oh, c'est cliché. Ah là là. Vlad. Tu vois, ça aurait été la propriétaire avec le majordome, là j'aurais dit oui, là quand même. Il y a la massue derrière là. Ouais. Ah oui, la massue, je viens de la voir, super. Avec un des boutons, faut que tu les essayes tous, Dan. Fais-moi monter. Ok. Donc je me retrouve de l'autre côté. Ah oui, alors de l'autre côté il y a les escaliers, ça je peux grimper. Voilà, mais c'est pas forcément dans cette petite pièce, ça peut être dans toute la chambre. Ah ah. Ici c'est pas possible que ça actionne. Il y a que ici. Teste-les tous et puis dès que moi je. En fait, en redstone, il y a des. Oui. Ah, c'est bon, je suis monté. Il y a des limites. T'as certains boutons, en fait, c'est même pas la peine de les tester, tu sais que ça va rien actionner. Hein? Ah ah. Qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Oui, non, c'est pour défaut le feu d'artifice, mais. Vas-y, on recommence. J'ai vu un truc bouger. Ah, c'est ça. Ok. Il y a une potion. C'est quoi? Le poison. C'est pas le poison. C'est pas le poison? Non, il était dans la chambre. Il était dans la chambre 1. Il reste la pelle, l'arbalète, le vase, le tableau, la brique. Il reste quand même pas mal des armes. Qui a fait ça?
C'est pas moi. Non, c'est pas moi. C'est dame. C'est dame. Oh. Moi c'est ça ouais, ah bah oui, c'est juste là. Marqué dessus. Et donc, lui, qu'est-ce qu'il voulait, lui? Ah oui, c'est vrai qu'on il peut nous donner de la redstone, lui. Et toi et lui, on veut du lapis avec du lapis, ouais. Alors. Un lapis et une redstone. Bah, je prends un de chaque pour l'instant. Tu crois qu'il faut les jeter en même temps? Ah, ce serait tricky, quoi ça. Ça, ce serait beau. Ça ferait vraiment salle de coffre-fort, là. Le truc simultané. Non, faut pas les jeter en même temps. Mais essayez, mais essayez d'en jeter plusieurs, pas. Ah. Ouais, je te laisse, hein, c'est toi qui as tout une le... Une par une. Ouais. C'est normal, hein, c'est Sherlock. Une qui... par une. Une par une. Pourquoi est-ce que tu dis ça, je comprends pas. Pour pas overflow le système. Pour non, c'est surtout pour vous. Parce que ça... Mais je trouve les égouts bien lumineux. Ah. Donc là, il y a eu un truc ici. Ah, regarde, trouve une porte à code. La cuisine était fermée à clé, ok, donc c'est pas la cuisine. C'est pas la cuisine, elle était fermée à clé, ouais. Et le dernier, c'est quoi? Trouve une porte à code. On l'a trouvé la porte à code? C'était dans le couloir, non? Non. Une espèce de code? Non. Ah, il y en a une autre. Non. Vous avez peut-être pas tout. Alors, clé du cabanon de jardin, oh oh! Et le tableau n'a pas bougé. Le tableau n'a pas bougé? Ça veut dire qu'il est resté en place. C'était une arme, en fait, le tableau. Ah, c'est une des armes, le tableau? C'est une des armes, ouais. D'accord. Putain, le barbare, quoi, il tape les gens avec des... Ouais, ouais, je me suis dit la même chose avec la plante vénéneuse, tu sais. Fouetter avec une plante. Non, c'est ingéré. Alors, je vais juste acheter un petit peu plus de trucs. Faut, en fait, avoir faut plus avoir d'indices. Vraiment les six coffres, quoi. Ah, d'accord. Faut avoir un de chaque. Sauf que vu que ça marche comme une machine à sous, et eh ben vous avez pas forcément. C'est aléatoire. Pour l'instant, on a rien, tu peux y aller, hein, tu peux continuer. Ok. Ça y est. Ah, clé de la clé remise. Clé de la remise. Oh, trop bien. Bah, je vais continuer à donner de l'autre côté, du coup. Ok, et je te dis quand c'est bon. Non. Je vais en racheter. Que le dernier. Ouais, je vais en racheter qu'un seul pour être sûr, pour pas gaspiller des émeraudes. Hey! C'est le dernier. Pour les égouts, 3-5-2. 3-5-2? Donc, alors, 3-5-2, il faut qu'on trouve où on les met, ces codes, ceci dit. Voilà, faut trouver la porte à code et mettre ce code. On va à la. T'as la clé de la remise, du coup, qui est juste là. Mais juste alors... ici. Ah, bah tiens, tu dois la balancer là, du coup. Exactement. Parfait. Voilà. L'appel. L'appel. Autre chose? L'appel était dans la remise. Il y a un témoignage ici. Ah, faut ouvrir les coffres. Hein. D'après les dires de Oksana, la femme de ménage, elle aurait été assommée puis enfermée dans la remise. Donc c'est pas dans la remise. Donc c'est pas la remise. C'est pas un lieu, la remise. Mais c'est pas un lieu. C'est surtout pas Oksana, en mais fait. Mais elle n'a pas eu le temps de voir son agresseur et il est resté endormi jusqu'à 6h du matin. Voilà, c'est pas Oksana. Ok, c'est pas la Oksana, c'est noté. Direction le cabanon de jardin. Ah, et là il y a la plante vénéneuse. Ah, rien dans le coffre, oui. Ok. Plante vénéneuse, donc. Ce satané code. Il reste arbalète, vase et brique. Jardin, égout, bibliothèque. Jardin, égout, bibliothèque. On... Égout aussi. Et il reste bibliothèque, en t'es sûr suspect. Bibliothèque, on l'a pas retiré. Il y avait un témoignage, quelqu'un non, qui restait. Je pas. Non. Moi, je l'ai pas retiré de mon côté en tout cas. Non. Non, non. Bon. Ici, ça peut pas. Oui, je sais pas. C'était quoi ça? Non. Non, ça c'était pour une machine qui était mal. Tu veux faire un point sur les suspects et tout? Oui, alors au niveau suspect, il reste Grégory le fils, Nicolas le majordome et Mikhail le jardinier. Ça a été beaucoup plus organisé que moi, parce que moi j'ai tout noté, mais c'est un bordel monstre, donc je te fais confiance. Ouais, je t'avoue que j'ai un assistant, j'ai ma petite fille qui est juste à côté de moi. Coucou. Coucou. Ah ouais, Dave, alors... c'est son enfant. Quand je lui dis c'est un Cluedo, elle me dit ah, Cluedo. C'est bizarre ce truc là, quand même. C'est la déco, Dave. Ah.
Désolé, ah. Je voulais pas critiquer. Ah, attends, il y a... Ah, attends. Il y a peut-être un truc ici... Oh, attends, il y a du parcours ici. Quoique, comment est-ce que je fais pour monter là-haut? Ah, c'est un truc encore en... à plusieurs. Ah, y a... On n'a pas essayé tous les boutons, effectivement. On aurait dû dans le grand hall. Ah, il y a eu un bruit tout à l'heure, non? Ah, si, si. Tiens, est-ce que tu peux cliquer sur le... Attends, t'es meilleur que moi en jump ou pas? Oui. Bah, tiens, vas-y. Ce bloc-là va sortir. Donc, vas-y. Et hop. Ah, attends, faut que je me mette à côté. Vas-y. Ok, t'es pas meilleur que moi en jump, en fait. Ah. Oh merde. Attends, avant d'appuyer, faut que je sois en position. Hop là. Ah, d'accord. Ok, donc on va échanger. Attends, vas-y. Et là, je vais me louper lamentablement. C'est un saut de travers, hein. C'est. C'est pas les plus simples. Oh non, oh non! Oh non! Non, bah... t'es pas sérieux! Allez! Essai numéro 4350. Putain. Il crevait en plus dans l'histoire. Mais je me sentais venir en plus. Oh non! Et si, sinon, sinon, j'ai ça sur moi, hein, si ça t'intéresse. T'as quoi? Non, les vos inventaires, ils sont censés être vides. Mais ceci dit, il y a moyen d'en acheter. Tu en as vu à acheter? Ouais. J'y avais pas pensé. Bien joué. Attends, parce que là, lui, il a... Tandis, il va use bug à sa manière. Ender Pearl. Ah putain, il en faut 6 par contre. Hein. Oui, bah de toute façon, on a tout ce qu'on veut. Bon, j'en achète une ou deux? Deux. Ok, et est-ce que tu veux le faire ou moi? Parce que je... Non, je t'en prie, t'as l'air... Déjà, tu as vu là-haut, hein. Moi j'ai pas vu d'en bas, donc... Bah, je vais monter aussi longtemps que possible, comme ça. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, c'est... Non mais ça m'a froissé du coup de plus réussir à... Enfin, de retomber tout en bas. Ah mais là, j'avoue, le usebug des underpearls, franchement, j'ai... J'adore. Ce parcours aurait été un gros challenge d'usebug. Alors attends, parce que si je vais là... Bah écoute, je peux essayer de vraiment le faire, hein, mais... Ouais, je peux essayer. Ah non, j'y arrive pas, hein. Je sais pas du tout comment... C'est compliqué ce passage-là, hein. Ouais, il est un peu compliqué, mais en fait, c'est parce qu'en rajoutant un peu la déco, ça va compliquer un peu la chose. Bah c'est mais ça, normalement, en fait, j'y arrive seulement s'il n'y a pas le bloc au-dessus de ma tête. Avec le bloc au-dessus, j'y arrive pas. Dave, tu peux appuyer sur le bouton? Ah, le bloc qu'il y a là-bas, ouais. La fence. La barrière, tu veux dire. Ouais, c'est ça. Ouais. Dave, t'es dans le coin? Oui. Je suis dans le coin, Le je suis derrière toi. Ah, what? Ah bah, ah merde! Watson, s'il te plaît, Watson. Voilà, bon là tu peux plus te fail, hein. T'as une échelle. Ouais, bah Dev, c'est bien fail. En plus, je suppose que tu n'as pas dormi dans les lits. Et pourtant, si, je me suis mis dans le lit, mais. Alors, c'est mais pas l'arbalète. C'est pas l'arbalète, ouais. Et je suppose que personne ne le fait. Donc, en arme, il nous reste plus que le vase ou la brique. Alors, Grigory, fils héritier, avoue venir ici presque toutes les nuits avec sa petite arbalète pour chasser toutes sortes d'oiseaux qui peuvent passer par là, juste parce que ça l'amuse, à force d'être trop gâté par son père, il avait sans arrêt de nouvelles idées, toutes plus organiques les unes que les autres. Donc ce n'est pas Grigory. C'est pas Grigory, et c'est... Ouais, d'accord. C'est pas Grigory, il reste le majordome. Et puis... Le jardin. Ok, donc là, moi, il va falloir que... Comment est-ce que je redescends sans crever, en fait? Oh, ah, merde. Bon, bah, voilà. Dans Minecraft, on utilise quoi déjà souvent pour faire des portes à code? J'en sais rien, c'est quoi Minecraft? C'est. Dave! Généralement, on utilise les item frames. Ok, voilà. Donc, faut peut-être trouver, vu qu'il y a trois chiffres, trois item frames l'un à côté de l'autre. C'est une éventualité. C'est possible. Ah, voilà. Donc c'est dans la cuisine! Dans la cuisine. Mais alors, alors attends, est-ce qu'on a un indice quelque part sur comment... Ah non, c'est pas... Non, ça c'est pour faire à manger, ça.
Oh bah, tu me dis trois item frames les uns à côté des autres. Ouais, tu y as des flèches, mais que ce soit la même chose dans les item frames, si vous préférez. Bah, quelque chose, ça va être les papiers. Les papiers. Non, il y en a six des papiers. Oh là là. Ah, alors, ça ici... chauffe. Non, c'est pas ça. Ah, ah, c'est ça, attends. Ah, voilà. Dans la bibliothèque. Tu te souviens du code? Ah, merde. Ah, mais oui, en plus. C'est quoi déjà le code? 3, 5, 1, 2, 3. C'est. 3, 5, 2. 1, 2, 3, 4. Et sachant 5. Que le truc est ouvert, t'as envie d'aller faire une proposition ou pas, Dav? On attend. On a fait le code là? Bah, 3, 5, 2, ouais. C'est ce que t'as fait, 3, 5, 2? Non. Attends. Non, parce que c'est. Alors, non, parce que Bizon, c'est la position 3. Déjà... Ouais. Ça, c'est la position de. Ah, le premier, c'est 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. C'est ça? Attends, il était comment à la base? C'était peut-être pas comme ah, ça. Ah, c'est comme ça, tu crois? Comme quand on met un item frame. Si, 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 si. Comme quand on met un item frame de base. Donc ça fait 1, 2, 3. Alors, attends. Deux, attends, 6. Attends, ça c'est. C'est ça. Ça c'est la question. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et c'est ouvert. Voilà. T'es juste pas doué. Ouais, c'est clair. Alors, cette visite doit se faire en lieu d'un côté. Ah, habilité ou orientation. Je suis très très bon en orientation, moi. Mm-hmm. Après, c'est toi qui vois. T'as une préférence? C'est parti, habilité. Donc, à mon avis, toi, tu vas jumper, moi, je vais devoir te guider. Ouais, très bien. Bah, Ah. Tu m'ouvres ma porte, c'est ça? Ouais, je veux bien que tu ouvres la mienne, s'il te plaît. À mon avis, ce sera derrière. Ah, tout à fait. Alors on aurait peut-être dû changer. Tu veux changer? Non, c'est une flaque. Tu continues de tourner la flèche, Bill. Ah. Là, tu lui as refermé la porte. Ah, ça y est, j'y suis. Ah, ok. Alors j'ai 4 boutons au sol, moi. Très bien. Là, ça a allumé ma lampe. D'accord. Et j'ai des trucs bizarres avec des... Ouais, cool. Donc théoriquement, là, ce sera à moi de te faire passer, je pense. Ouais, là, ça s'est ouvert. Qu'est-ce qui s'est ouvert? Ma porte s'est ouverte. Là, c'est allumé. C'est allumé? Bah, d'accord. Plus maintenant, mais ça a été allumé. Là, c'est allumé. T'es pas coincé, Bill? T'es pas coincé? Non. Tu peux avancer? Avance dans les noirs. What? Mais je vois réellement rien, là. Ouais. Je me demande si c'est même pas le principe, tu vois. Je devrais lui donner un peu de lumière, Daf, peut-être. Ouais, s'il te plaît. Pas mal. Je ne vois réellement rien, c'est assez... C'est est-ce assez que tu fini. Vois quelque chose? Ah non. T'es peut-être pas parti du bon côté. Moi? Ouais. Bah j'en sais rien, j'ai avancé et je me suis perdu. Ah, attends, ok, donc là je suis allé. Ok, là c'est bon. Tu me donnes un peu de lumière, Daf? Il y a peut-être deux portes pour rentrer. Ah, tu vois de la lumière? Putain. Ah, hey, ah, ça t'as un accès, ouais. Ok, là j'ai un truc avec de la lumière, là il y en a un autre, ok, là tac, ok, ça encore, pa ba 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 ba, ok, ça y est, je suis arrivé à la fin. C'est bon. Putain, ok, d'accord. Là. Ah, ça, je t'ouvre un truc là, non? Je suis dans l'eau. Il y a des blocs qui bougent. Ouais, c'est moi qui fais bouger. Là, t'as peut-être un bloc en bas. À mon avis, il y a du jump, mais tu actionnes un bloc. Ah oui, ah, d'accord. Ouais, j'actionne des trucs sur le mur. Actionne okay, un bloc au départ. Ok, donc tu me dis quand t'es prêt pour que j'actionne. Je suis prêt. Hop. Le problème, c'est que vous avez pas tous le même niveau de. Oui, de jump, ouais. Bah, alors moi, j'en fais jamais. Jamais, Auré, jamais. Il est arrivé là-dedans, hein. Il a fait tac 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 et c'est bon, il était passé quoi. Ah! Je l'ai eu. Il faut que je saute vraiment au dernier moment, d'accord. Oui, parce que ce type de... Go! Ce type de jump, j'imagine que c'est du classique. Quand tu vois que t'as un bloc en hauteur à faire et deux blocs, j'imagine que... C'est la technique qu'il faut utiliser direct, quoi. Ouais, ouais. Ouais, il regarde en haut, il fait OK, tac, tac. Ouais, c'est ça. Ouais, go. Trop fort. Hop. Ah, c'est... Et à la base, dis-toi que la dalle grise, là, qu'il y a là,
C'était un bloc. Et ah, d'où il en a. Je tente, je laisse faire ma petite pour voir. Attention. Go. Ah, bah il y arrive mieux que toi. Mais carrément, il faut que t'actionnes là. Alors, je crois. Je fais le prochain, t'es prêt? Go. 3, 2, 1. Hop, après. Oh, j'ai vu ça un peu. Il faut que tu actionnes là, le dernier, je pense. Non, là, je peux plus en actionner. Non, là, c'est à toi d'actionner là, quelque chose. J'ai un truc à actionner, hein. Regarde. Ouais. Ah, bah oui, regarde un peu autour de toi. Ah. Ah, je veux bien le réactionner. Cool. Et voilà. Et... Ah bah là, maintenant, c'est bon. Super. Oui, là, tu vois, que hein. Faut que je fasse... Non, c'est sérieux, t'as faut que tu te remettes... Non, non, mais c'est bon. Si, faut si, juste c'est bon. Que tu te remettes, repasse pas. Hein. Faut que tu te remettes sur la plaque de pression. Mince, moi je me... Ah ok, d'accord. Ah bah merci mon cœur, hein. Bravo. Tu vois, hein, les... comme quoi les enfants. Les enfants, ah, sur le jump, ils sont vraiment plus forts que nous. C'est clair. Alors, sur le PVP aussi. Tiens, Dave, t'as pas un bouton? Faut qu'on appuie sur le bouton en même temps. 3, 2, 1. Ah, ok. Je suis pas... Ouais, alors 3, 2, 1, clic. Ah. Oh là là. Tiens, mets-toi genre ici, ouais, c'est ça. Ouais, 3, voilà, 2, Hercule. 1, clic. Nickel. Voilà. Bravo. Alors, de la logique, c'est fâcheux. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que je désactive ton truc et que tu actionnes, toi. Ça me semble pas mal. Alors ça va désactiver ça. Et il faut que tu jettes un item. Ah. Ok. Et que tu te mets sur la même chose plaque. Là ouais. Oh. Tiens, non, je pense, laisse un item aussi pour pouvoir passer. Non, j'arrive. Ok, c'est bon. Bon. Ouais, par contre, le courant est passé, s'il est verrouillé derrière, il reste allumé en fait. Tiens, je suis meilleur en redstone quand je jump. Pas grave. Alors, le jardinier faisait des tions ici. Ok, donc. Des réparations. Et il y a la brique, juste en face de moi. Pas le jardinier, pas la brique. Brique. Donc, c'est le majordome. Évidemment, c'est toujours le majordome. Avec le vase. Et on hésite entre la bibliothèque et les égouts, mais à mon avis, c'est les égouts. Pourquoi? Ah oui, parce qu'elle avait mentionné la bibliothèque tout à l'heure. Oui, elle est mentionnée, mais j'ai un doute sur... comment on ouvre ça? Il faut qu'on attende. Donc, c'est... Préparer. Une seule proposition. Hein. Une seule quoi, du coup? Ouais, ouais. Ah, c'était du coup le majordome, ouais, avec le vase... Avec le vase. Et apparemment, ce serait les égouts. Je... Parce que la bibliothèque, on a un doute sur la bibliothèque. Là. Je peux même. Tu veux un petit arc P5 dans les fesses Ah non, dans les fesses. Oui, Bill, il veut. Hein. T'arrêtes de casser la porte. Tiens, Davidson, tu peux rester devant moi. Mais bien sûr, mon cher Sherlock. Faudra juste deux flèches, hein, pour tu nous one shot. Tu nous as donné des épées, je te rappelle. En plus, elle a pas d'armure, donc facile, quoi. Ah mince, j'ai pas d'armure. Bon, toi, tu l'occupes, moi, je casse, ouais, casse la porte. Ah, mais c'est mon armure que je t'ai donnée tout à l'heure, en fait. Attention. What? Oh! Oh, énorme! Vas-y, rentre. Qu'est-ce que t'as fait? Vas-y, Dave. Ah non. Alors, la cuisine, la salle à manger, la chambre, les égouts, hop. Il est où, le majordome? Avec le vase. Vas-y, tac. Il est là. Ah bah c'est ballot. Oh merde. Donc ça devait être dans la bibliothèque. Ça devait être la bibliothèque, alors. La cuisine, la chambre, là. Là. Ouais. Hop. Non, non plus. Eh ben non. Sans déconner, bah pourtant... attends. Ah, il y a Mikhail, le jardinier. Mais non, le jardinier, c'est... moi j'ai dit que c'était pas lui. Il y avait un truc qui me disait que c'était pas lui. Un panneau. T'es sûr? Ah, et c'est pas les égouts, pour sûr, étant donné qu'il était là. Merde. Bah oui, c'est pas les égouts, donc c'est bien la bibliothèque. C'est bien la bibliothèque. Bah ouais, mais du coup, il y a que le vase. Attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Ouais, il n'y a que le vase. Hein. Le vase, c'est sûr. La bibliothèque, du coup, c'est sûr, vu que les égouts, on l'élimine. L'arbalète, ça... oui, il était, c'est le jeune Grégory qui était avec... Sûr, c'était tout en haut. Et donc, qui est-ce que ça peut être d'autre? Parce que du coup, bibliothèque, on est sûr. Vase, on est sûr. Alors, il nous reste que le jardinier et le majordome. C'est pas Grégory, c'est pas la femme de ménage. C'est pas la femme de ménage? Non. Ah non, c'est pas la femme de ménage parce qu'elle était avec l'amant. C'est pas la... Pourquoi ce serait pas la cuisinière? Non, c'est la cuisinière qui était avec l'amant. Ah. La femme de ménage, Oksana... était dans la remise. Ah non, Oksana... Oui, elle était assommée dans la remise. Anastasia, c'est bon, professeur de chant, elle était malade. Et Alex, l'homme d'affaires, il était... Bah si, c'est forcément le majordome. C'est forcément le majordome. Soit le majordome, soit... Ouais, le jardinier, j'ai pas souvenir de l'avoir rayé, mais... Si, moi je l'ai vu, c'était bon, dans les bah écoute, donc c'est bien ça. De mon côté des Oui, de ton côté, d'accord. Donc c'est bien le majordome. Attends, on a quelque chose pour la cuisine? Qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu un peu. Parce que les égouts, c'est sûr que c'est pas ça, le jardin... On a quelque chose pour le jardin? Le jardin, on l'a éliminé. Bah, moi je l'ai rayé. Non, c'était le jardin. C'était le jardin? Pourquoi je l'ai rayé alors? Ah, bah bravo, Davidson! Bon. Étrange. Ouais, mais. Ça a dû à peu près un peu moins d'une heure, je crois. Non. Ouais. Mais du coup, la bibliothèque, on peut la rayer quelque part? Parce que je l'ai pas vue, moi. Alors, la bibliothèque, venez voir. Ah oui, les petits indices de fin. Alors, c'était où? Il y avait un petit coin. Mais en fait, le pire, c'est que vous l'avez vu, cet indice, hein, mais vous l'avez juste mal lu. Ah, c'était dans un des bouquins. Pour les lieux, j'ai l'impression que vous aviez... Oui. Au début, vous aviez peut-être pas beaucoup compris. Mais bon, t'es quand même revenu là-dessus, Bill, et t'as pas tilté. En fait, Anastasia, elle est dans la bibliothèque. Ah, elle restait à lire. Ouais, ah, d'accord. Ça te disait pas que c'était donc, dans la bibliothèque. Donc la bibliothèque est... restait à lire un bouquin, je sais pas si tu comprends, mais ça se déplace. Un livre? Oui. Ah bon, c'est mobile, c'est vrai. Tu trouves l'indice là. Ouais. Bon. Oh, bah il y avait certains indices qui avaient rien à voir. Mais non, c'est vachement bien foutu. C'est ouais, cool. Pas mal, hein. Vraiment moi, très sympa. Ma feuille ne ressemble à rien. Heureusement que toi, tu barrais vraiment parce que. Oui, mais alors je sais pas pourquoi j'ai barré le jardin du coup. Mais ouais, ce jardin, qu'est-ce qui t'a fait le barrer quoi? Je sais pas. Je sais pas du tout. J'ai pas souvenir en plus. Donc, ouais. Bon. Peut-être en trouvant le cabanon, t'as peut-être un truc comme ça, peut-être, ouais. Et non, mais quand même, ouais, vous avez quasiment tout trouvé. Sinon, vous avez tout le lieu, hein, on s'est planté sur le lieu. Les pièces. Ouais, bah on a tout fait. On a juste... En fait, c'est trop con parce que là, ouais, on l'a fait un peu moins d'une heure, mais la moitié de ce temps, c'était sur les deux jumps. Ah oui, alors le jump... Ouais, parce que sur le reste, vous avez été très très vite et très perspicace. On s'est séparés, donc c'était... Oui, ouais, vous mais avez au gagné bon du moment. Temps... Ouais, c'est dommage qu'on ait perdu autant de temps sur les jumps. Mais par exemple, Hyper et Auré, ça, ils l'avaient pas trouvé, quoi. Et voilà, ils ont bloqué là-dessus, quoi. J'ai failli le louper, parce que moi, genre, je suis arrivé, j'ai cliqué sur le bouton, je me suis retourné, et je sais pas pourquoi, je suis revenu. Mais c'est exprès, le bouton, histoire qu'on s'intéresse à ça, qu'on voie pas ça. Réfléchis. Ah, bon. C'était vachement cool comme activité. Ouais, très, très sympa. Très chouette. Bon petit jeu rigolo, en plus c'est un jeu de base. Et alors ça c'est... j'adore ça. Ouais, moi aussi. Mais d'ailleurs comment tu l'enlèves ça? Bah quand elle est plus liée à des blocs, elle change comme ça. Ah parce que c'est ces blocs là, depuis la 1.9. C'est la 1.9, ouais. Les vitres font pareil maintenant. Je croyais que c'était d'autres fans qui avaient là, enfin d'autres... Je comprenais pas comment tu les avais enlevés mais... Ouais non, c'était juste des blocs, si tu fais ça. Ouais, tout à fait. Et en plus tes égouts sont très propres, hein, bravo. T'as ça. J'avais la flemme d'aller fermer des lianes alors. Y'a pas de pierre moussie. Et mon cochon, il est mignon, mon cochon. Bon, en tout cas, merci, hein. Merci pour ce ouais, moment. Carrément. Bah, merci à vous d'avoir participé. Bah, ce fut bref mais cool. Délicieux. Tout à fait. Dès que tout le monde sera passé, vous aurez le résultat des temps. Voir si vous avez gagné, quelle place vous avez. Voilà. Je suis à poil, moi. Ah bah oui, je suis à poil. Attends, parce que moi je vais respawner à Pétaouchnok en fait. Ouais, je crois, ouais.
Reviens, Bill, reviens.